Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous avons un petit raid. Vache, qui m'intéresse le plus. Voilà la bio de Mademoiselle Vache. Elle est pressée, donc elle se dépasse à plus 0,4 cases par seconde, et elle est transhumaniste. Et surtout, elle est très bonne médecine, très bonne sociabilité, et en plus, elle a deux flammes dans l'agriculture, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Je pense que c'est la compétence sur cette carte qui va nous être la plus utile. Donc on va essayer de garder cette dame-là. Toutes les autres personnes, bon, lui, il est respiration terrifiante, c'est un petit peu embêtant, mais sinon c'est un très bon pénitent aussi, 24 ans. Celui-là, si on peut le garder aussi, ça ne me dérangerait pas. Il faut voir maintenant sa santé. Non, ça va. Par contre, Vache a un petit pépin, elle a une cicatrice de morsure, comme vous pouvez voir. Et elle a perdu un petit peu d'efficacité à son œil droit. Mais c'est pas grave, comme elle est transhumaniste, on pourra lui mettre un œil bionique. Et elle en sera très très heureuse. Alors, nous avons également Grise, qui a une cicatrice de griffure à la jambe droite, mais qui, elle, est psychopathe. Bon, ça peut marcher, mais j'aime pas trop les psychopathes. Parce que le psychopathe ne reçoit pas du tout de bonus quand il interagit avec d'autres personnes. Et donc, bien d'un autre côté, c'est compensé ici avec un beau petit plus 6 en humeur permanente. Donc c'est également un très bon personnage qu'on pourrait également garder à la limite si on souhaite. Ça en ferait déjà 3. Et enfin, ça c'est pas très important, hein, bien sûr. Et enfin, nous avons cette personne-ci qui est nudiste et qui a une importante tendance toxicomaniaque. Et donc ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ok. Donc ces personnages vont patienter un petit peu. Normalement, je ne devrais pas mettre d'armes comme ceci à d'arc pour le moment à Libellule, puisqu'à l'extérieur il y a un très gros brouillard. Mais comme elle a justement elle un beau plus 8 grâce à son inspiration, on va quand même voir ce que ça peut donner. On verra un peu plus tard. Quand ils nous attaqueront, on va essayer, on va espérer qu'ils aient tous une mauvaise santé à cause de la température. Et on emmènera Decker se promener devant eux, et pour qu'ils puissent, on va essayer de le faire tourner comme ceci, hein, peut-être. Mais pour ça, il faut que Blanche soit occupée à autre chose ou qu'elle diminue sa vitesse qui est de 5. Hein, donc, on a vu ici Vache, elle a 5 cases et donne également une bonne vitesse à 4,80. Donc, tous ces gens, ces deux personnes-là, vont devoir baisser un petit peu leur vitesse de déplacement. Ok, on continue. J'ai demandé à Libellule qu'elle me finisse un chapeau de cow-boy, et qu'ensuite elles me construisent un pieu. Je voudrais également que Decker enlève son chapeau. Et d'ailleurs, on va regarder ce qu'il me fait, Decker. Il transporte des plats raffinés. Alors oui, d'accord, mais j'ai besoin d'abord que tu me descendes ton chapeau. Voilà. Parfait. On va déplacer un petit peu quelques petites choses là. Et je voudrais aussi, mon ami, que tu me... Après, que tu me mettes... Voilà, mais tu vas d'abord me faire ceci. Ça, et... Il y a un pieu là qui doit être fait. Decker, tu vas me... Prioriser, apporte le lit. Tu vas m'apporter un lit, hein, puisqu'on va en avoir besoin pour des prisonniers, espérons-le en tout cas. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont déjà un petit peu de pépin? Ça y est, ça commence déjà. Insolation.
ça diminue un petit peu leur conscience et leur vitesse. Et donc maintenant, New Birth, on voit qu'elle n'est plus qu'à 4,75. On va encore espérer que ça diminue un petit peu. Hein. Alors, on continue de regarder ça. Qui est parti manger. Alors, le clan. Voilà. Toi aussi, on va te mettre comme ceci. Allez, Numbers. Voilà. Donc, ils sont tous bien descendus assez bas. Donc, Decker, tu vas pas t'occuper de ça. Tu vas venir les exciter un petit peu, je crois. Decker, combien de temps la température il fait dehors? 60. Alors, ton matériel te permet d'aller à 57. Ça devrait bien aller. T'es en pleine forme. Est-ce que je peux te faire gagner chapeau, guenille, manteau? Chapeau, la guenille, c'est peau, et le manteau, c'est extérieur. Peau extérieure. Donc tu peux avoir quelque chose au milieu, normalement. Ça, c'est quoi, ça? Protection contre le chaud. Ça, c'est peau. Ça n'irait pas. Hein? Ça, c'est milieu. Milieu. Alors que toi, tu es... Ça, c'est extérieur. Donc, je peux lui dire de me porter... Je peux le faire porter ceci. Hein? Qui fait quand même un petit 1.1. On va lui faire porter ça. Decker vient avec ceci. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, maintenant qu'il lance l'assaut, surtout que maintenant il lance l'assaut. Donc on est parti. Et tu viens dehors. Viens ici, mon ami. Alors, qu'est-ce qu'ils font mes ennemis? Mes ennemis. Dan, tu fais quoi? Tu vas mettre le feu à un truc en métal. Toi aussi, tu mets le feu. Donc, allez mettre le feu, ça ne me dérange pas. Et toi, tu attaques. Ok. Alors pour le moment, on laisse faire tout notre personnel. On va juste demander à nos amis. Grizzly, tu me fais quoi? Tu vas venir ici. Libellule, tu es parti dormir un petit peu, non plus maintenant. Relever, tu vas venir là. Pour le moment, le chauffe, tu restes où tu es. Allez, Decker. Mette-moi un petit peu ces gens-là. Allez, par ici. Alors, toi, tu fais quoi? Tu vas attaquer l'éolienne parce que tu vois la porte ouverte, mais elle ne va pas rester ouverte si tu m'as vu. Vous me faites quoi? On met le feu au fou, on met le feu. Tu ne me vois toujours pas, et toi, tu veux m'attaquer. Voilà, maintenant tu veux m'attaquer, hein? Viens, mon ami. Venez, les petits gars. Je vais vous voir tomber comme des mouches. Toi. Porte. Non, tu attaques Becker. Savez-vous que Becker est plus rapide que vous, mes petits enfants?
beaucoup plus rapide que vous. Regardez ça. D'ailleurs, il va même carrément revenir par ici. Rien voir du tout, vous autres. Allez, c'est vache que je veux surtout voir revenir. Et Dan, tu me fais quoi? Tu attaques des guerres aussi. Ok, vous venez tous me dire bonjour. Allez. Ah, c'est plus facile que d'aller se battre contre des insectes. Beaucoup plus facile. Moi, j'ai pas de problème de température. Il fait 64 quand même. 58. Alors eux, ils commencent à bien chuter. Hein. Ok, continue. Grizzly faire ce qu'il a envie de faire et Libellule aussi. Voilà, laissez se promener. Toi, mon ami, t'as pas de problème. Ok. Par contre, je risque d'avoir pas assez de lits. On va peut-être faire quelques lits en plus. Ouais, je pense. On a combien de 600? Ok. Donc là, c'est un pour affecté et l'autre est pour une libellule. Ensuite, on va construire des copies. Et encore un deuxième. Pour la vie, on en aura besoin de 4. Je dis ça et je dis rien. Non, ça va, c'est des bellules. Ça y est. Ça y est. Alors. Capture et vache. Jean. Capture et Dana. Les bellules. Capture et grise. Oui, capturer un Baja. Alors j'ai un, j'ai deux, j'ai que du lit. Ah, comment ça se fait comment je fais? Donc on va faire comme ça. Voilà. On va vite. Parce qu'il faut que je les mène tous ici. Donc ça on va annuler, ça on va annuler. Je veux juste vite fait. Donc ça il faut absolument que j'amène ici tout de suite. Ici tout de suite. Donc Grizzly. Jean. Ok, donc Grizzly. On verra qui est-ce qui est ramené comme ça. Ouais. Hop, 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 d'équerre. Vache. Les bellules. Voilà. Oh, les
Mais ensuite, on aura Grizzly qui prendra le suivant. Et Jean, il fait quoi? Et après, Jean, il prend celui-ci. On est reparti. Bon, c'était surtout vache que j'avais besoin. Et puis le reste va venir, va se vite fait bien fait. Quelle est la température? 22 degrés, ben, c'est magnifique ça. Et ce qui va nous plaire beaucoup, c'est qu'on va récupérer un poumon de psychopathe, hein, à mon avis. Peut-être pas de psychopathe, d'une respiration terrifiante. Oh, en plus, on a une belle petite respiration mâle. Alors, toi, quel est ton besoin? T'as une petite faim, toi, hein? Repoussé, chaud. Ouais, ça va, hein? C'est assez pratique, hein, ce petit système. Voilà, elle a déjà sauvé la petite. Alors, mes enfants, vous allez manger quoi, vous autres? Ménage. Pas gastronomique, je veux que vous preniez des pâtes. Tout le monde aux pâtes. Alors, où est-ce que c'était encore ce truc de... des défauts? Ça, c'était ce truc-là. Mais la bouffe... Voilà. Je ne vais pas faire de pâte par défaut pour les nouveaux colons, je ne me rappelle plus. Ok. Donc on va pouvoir faire son petit travail. Becker, tu repasses aux pâtes aussi, toi, mon ami. Assignation. Becker, la dès que tu as fini de manger ça, je te remballe aux pâtes. Voilà. Tac. Il n'y a plus qu'une personne qui a le droit, ça va être Wiz, parce que j'ai vraiment besoin qu'elle soit la meilleure au niveau de recrutement. Non, il ne reste pas d'étonne, mais... Alors, vache, je veux te récupérer. Vache, 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 vache. Tu vas dans prisonnier et tu vas recruter, voilà. Alors, Don, est-ce que je vais te recruter, toi? Bio. 24 ans. Révulsé des produits stupéfiants. Toi, ça pourrait se faire, quand même. On va quand même voir comment les gens s'entendent avec toi. Par exemple, elle, elle s'entend avec... Tu vois, tu t'appelles donc... Grise. Sauver, toi, on va demander aux choses à le faire. Ouais, non, c'est vrai.
On va voir ça après. Donc, M. Maïcha. Toi, je ne te veux pas. Toi, je ne te veux absolument pas. Donc, comme prisonnier, toi, on va juste t'amadouer. On va t'opérer. Et puis, on te relâchera. Toi. Bah, déjà, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec toi. Bio. Psychopathe optimiste. Ouais, c'était pas mauvaise quand même. Et dame. Respiration terrifiante. C'est ça que je voulais savoir. Donc avec Dan, vache et Dan. Comment est-ce que tu te sens avec vache? Où est-ce qu'il est vache? Tu n'as pas de connaissance avec. Avec vache, un nouvel chat. Dani Dan, voilà. Ensuite, pardon. Avec Dani, pourquoi est-ce que tu es à moins 55? Alors, sensible au bignon de Dan. Ça, on s'en fout un peu. Respiration terrifiante, moins 25. Moins 25 parce que tu es interrogé. C'est pas trop grave. Moins 25, c'est beaucoup, mais ça peut être récupéré avec un petit. Si je lui fais un petit truc de joli, hein, un petit nez sympathique ou un truc comme ça, un petit nez esthétique, ça va contrecarrer. Ça va le contrecarrer, le moins 25. Donc Dan, on peut te garder. Dan, on peut te garder. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne peut pas faire travaux intellectuels ni de minage. Mais c'est un petit jeune, très très bonne mêlée. Et il a une bonne sociabilité. À part ça, bon, il ne sait pas faire grand chose, mais il a une petite. Il va pouvoir aider à l'âme. Ouais. C'est à peu près tout ce qu'il pourra faire. De la mêlée. Ouais. Et vache. Elle, dans tous les cas, je la garde pour l'agriculture. Donc, elle. Dan, on amadoue. On va les amadouer. Sauf un qui sera. Bon, est-ce que le gars qui vient l'aider, la pauvre ici. Chat. Bon, voilà, ça y est, c'est fini. Ok. Sauf Decker va avoir ça, parce qu'on va aller récupérer un petit peu le matos qui est ici. Voilà. Ouais, c'est pas si mal que ça, hein, ce petit terrain, ce petit désert extrême, une fois qu'on l'a correctement. Il y a du boulot, notre petit chauve. Il y a quelqu'un qui va aller nourrir, c'est les belles, voilà, et le chauve, voilà. Ensuite, Becker, tu es parti chercher le truc en métal. Ensuite, tu viendras nettoyer un petit peu la pièce ici, et la pièce ici, et la pièce ici. Et ici aussi. Alors, on a fini la petite artillerie. Eh bien.
dire, on va continuer avec l'artillerie perfectionnée. Moi, j'aime bien l'artillerie perfectionnée. Voilà. On va pouvoir se faire des superbes bonnes. T'es déjà occupé hein, à recruter la belle. Allez, 2.6. Alors, où est-ce qu'on en est? 20. 88. Il fait encore 60 degrés dehors. Et on est le 1er septembre, donc ça va commencer à diminuer. On va quand même surveiller de temps en temps la faune. Toi, tu es reparti chercher tout ce qui te manquait. Parfait. Nos arbres commencent à pousser petit à petit aussi. Et comme je disais, on va créer des bacs après. On va créer un bac supplémentaire. Alors, les bacs, je vais les mettre un peu plus proches. Je pensais les mettre on va en mettre 3. Alors comme je disais, normalement c'est 2 par personne, 1, 2, 3, mais on a quand même pas mal de monde. Il va falloir en mettre 4. J'en mettrai en plus. Alors, où est-ce qu'on va mettre? Ouais. Voilà, on a déjà 4, hein, parce que je ne vais pas garder tout le monde, je ne crois pas que je vais garder tout le monde. En tout cas, on va déjà faire ça. Decker, je voudrais qu'après tu ailles renettoyer un petit peu la salle ici. Le dernier morceau. Parfait. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang quand on fait comme ça. Il n'y a pas besoin de tout nettoyer après. Ok, on va d'ailleurs nettoyer ça après. Voilà. 1, 2, 3, 4. On va encore en faire. Combien est-ce que j'ai encore de... J'en ai plus que 3. Ok. Donc j'ai besoin d'aller miner ici. Donc on va remettre notre ami en restriction. Nous allons remettre Decker ici. Et je vais repasser Grizzly. Ici. Alors comment est-ce que Libellule peut aller miner elle? Minage, elle est maintenant à 95%, ce qui est tout à fait possible. Toi, il te reste encore un petit peu d'arbres à faire, pas énorme, mais un petit peu. Et Decker, lui, je ne pense pas qu'il soit déjà minage. Il n'est qu'à 92% de 2. Je pense que ça devrait quand même aller pour lui. On va le lancer miner un coup, quand même, d'équerre. On va regarder. On va quand même lancer un petit coup d'équerre ici. Un coup d'équerre, oui. Voilà. Allez, Black. Je suis Black. Alors, j'ai encore 2 plats pour la demoiselle, Wiz, qui devrait bientôt nous rejoindre.
en tout cas au niveau de la résistance, parce qu'après il n'y a plus que, il n'y a pas encore des tonnes. Hein. Maintenant on pourrait créer aussi une table, Madame Nebel. D'ailleurs, vous n'avez rien à foutre là, mademoiselle. Je vais vous faire travailler, on va vous faire construire une table. Ouais. Qu'on va positionner ici, dedans, pour l'instant. Voilà, une jolie petite table ici, avec une jolie petite chaise. Parfait. Voilà. Alors, la table, excellente, oui, c'est pas très important pour moi, c'est surtout la chaise qui m'intéresse. Alors, d'équerre. T'as un petit problème de santé mentale, toi. Pourquoi est-ce que t'as un petit pépin comme ça? Qu'est-ce qui te manque? Tu devrais plus avoir trop chaud maintenant. T'as trop chaud parce que dans ma pièce il fait pas assez froid, c'est pour ça. Stop, ok, il en prend deux. Dépose ça, mec. Tu vas. En plus, il y en a un peu plus que je ne croyais. Un, deux. Ça, non, ça, non, ça, oui. Ça, oui. Et ça, non. Ok. Ouais, c'est bon. Je vais déplacer ceci là, dedans. Donc je ne veux plus de pemmican, je veux le pemmican ici. Ça, c'est fait. On va déménager tout le mou qui est ici, on va aller le taper dehors. Voilà, on prend ça et on va mettre tout ça dehors. Et je veux ici uniquement du mou. Alors le mou, c'est du produit manufacturé mou. Et on va dire ici, on ne veut plus de mou, c'est fait. Comme ça, on va gagner beaucoup de place ici dedans. Parce que sincèrement, c'est pas bon du tout notre truc. Alors. Est-ce que je pourrais gagner une petite place ici aussi, s'il y aura besoin après? Parce que ça va être vite rempli, hein, cette histoire-là. Mais bon, on va quand même gagner pas mal de place. On va gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 emplacements quand même. Ça fait quand même 600 de bouffe. Un libellule, tu vas... J'ai besoin qu'on change mes murs ici, les bellules. Donc on va démolir et démolir ça. Démolir ça. Et démolir ça. Et ça, c'est les bellules qui va s'en occuper. Comme ça, le chaud, il va pouvoir retravailler à ce qu'il veut.